bateau. Ah, Monique. Ah là là. Engagé à apporter une aide, ce qu'on appelle les contrats du Fonds forestier national. C'est-à-dire que l'État a financé quasiment à 100% l'emboisement, charge ensuite à l'État de récupérer l'argent sur les éclaircies des coupes qui vont se faire. Alors ça date depuis 1985. Et depuis, l'État essaie de récupérer l'argent qu'il a mis dans le truc, sachant que pour récupérer l'argent mis dans la terre, il faudra peut-être attendre plus d'une centaine d'années. Ah oui, on sera mort. Alors c'est un bon placement. Les principaux reboisements qui ont été faits avec ces arbres que vous avez là, qui sont ni des sapins, ni des pins, ni des cigares, ni des séquoias, ce sont des pseudo-tsugas. On appelle le Douglas. Ah, le Douglas. Voilà. Le Douglas. Oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Aux États-Unis, ces arbres-là peuvent atteindre des hauteurs de 110 mètres de haut. Ils sont bien partis parce qu'ils sont bien droits. Et ils ont des accrochements. Il y a un an. Voilà. Attends. Aux États-Unis, ils ont des accrochements très fins. Et c'est ce qu'on appelle le pin d'Oregon. Le pin d'Oregon, c'est un bois qui est très dense, qui est quasiment un peu stressé. Alors chez nous, les Douglas, ils atteignent des hauteurs de 55-60 mètres. Et ils ont une différence par rapport à là-bas, c'est qu'ils ont des accrochements très très forts. Hop.